Ça va ? Ça va aller. On doit le faire. Et rien ne peut nous arriver de mal si ce qu'on fait est juste. C'est une théorie personnelle parce que je peux facilement la récuser. Qui est à l'appareil ? Tom Duffy. Vous avez une minute, j'aimerais qu'on discute. Je n'ai rien à vous dire. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous attirez l'attention, le petit truc en plus. Tu es le grand chef, je suis la petite stagiaire. À quelle heure tu commences demain ? À 9h. Je croyais être fin et subtil. Non, t'es juste direct. Vous avez la cote auprès des médias. Tous les journalistes vous adorent. Si ton candidat gagne, tu as un job à la Maison Blanche. S'il perd, tu redeviens consultant. Il est le seul capable de changer la vie des gens. Vous êtes mes conseillers ? Vous vous trompez de candidat. Je veux que vous travailliez pour nous. Paul est mon ami. Il n'y a qu'une seule chose qui compte en ce monde et c'est la loyauté. Sans la loyauté, on n'est rien. Vous voulez bosser pour un ami ou pour le président ? Aujourd'hui marque le commencement d'un combat entre deux idéaux. Avec le soutien du sénateur Thompson, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il veut ? Un ministère. Je ne peux pas accepter. J'ai toujours refusé ce genre de chantage. Paul, j'ai vu Tom Duffy hier. Quoi ? Je croyais pas. Ce n'est pas ce que vous croyez, mais ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait qui compte. C'est bon, j'accepte de bosser pour vous. La vengeance rend les gens imprévisibles et nous ne pouvons nous le permettre. Et si j'ai quelque chose à proposer ? De quel genre ? Du très lourd. Le prochain président des États-Unis d'Amérique, le gouverneur Mike Morris ! Tu veux vraiment que cet article paraisse ? La dignité, c'est ça l'important. Vous ne faisiez plus partie de la campagne, mais vous avez voulu réparer les dégâts. L'intégrité est ce qu'il y a de plus important. Notre avenir en dépend. Stephen, ne fais pas ça ! Je suis capable de tout faire et de tout dire si je crois en une cause.